biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Mususu te. Biso kaka. Biso kaka Yesu. Alleluia. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Biso une dernière fois. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Mususu te. Biso kaka Yesu. Alleluia. Biso kaka Yesu. Merci Seigneur. Biso kaka Yesu. Merci Seigneur. Ce matin, maison de miséricorde, nous avons la joie de recevoir un nom, un docteur au vrai sens du mot. À chaque fois qu'il passe ici, qu'est-ce que nous sommes bénis. Et c'est lui la bouche autorisée de Dieu pour nous communiquer le conseil céleste de ce matin. Alors, maison de miséricorde, s'il vous plaît, aidez-moi à accueillir le docteur David Kateba qui va nous apporter la parole du Seigneur. Biso kaka Yesu, kaka Yesu. Encore une fois, on y va. Biso kaka Yesu. Comme le pasteur a fait. Biso se Yesu. Biso kaka Yesu. Don alelo. Biso kaka Yesu. Oh, biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu, oh Yahweh. Biso kaka Yesu, Yahweh. Biso kaka. Et nous acclamons le seul qui soit digne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te rendons grâce pour nous avoir fait don de vie encore une fois aujourd'hui. Tu as renouvelé notre présence sur cette terre avec un seul dessein, que nous puissions servir à la louange de ta gloire. Amen. Tout ça là pour nous, message lié à Kembonayo. Béni soit ta présence en ces lieux. Pambola bozaino nesika yoyo. Béni ton serviteur ainsi que son épouse. Pambola mosaino elongo na bolongani na ye. Béni tous ceux qui les accompagnent. Pambola pe bainyon so bazotambo elongo na bango. Et béni le peuple sur lequel tu l'as établi. Et pambola libota otie bango bakamba. Au nom de Jésus. Na komo na Yesu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tiganzamba pambola bino. Je ne suis pas seul, je suis venu avec maman Thérèse. Donc que Thérèse, elle peut se tenir debout. Toye ne longo na maman Thérèse, maman Thérèse a tele. Amen. Amen. C'est une femme bio. Originelle et originale. Yesangisa sangisa te. Amen. Amen. On a besoin de ces précisions. Ce n'est pas nous qui avons commencé ces choses. Amen. Amen. Accès 2024. Nous avons par lui accès à toutes choses. Alors ce matin, nous allons prendre pour titre accéder à la nouvelle vision en Christ pour s'assurer l'accès à tout pleinement en lui. Accéder à la nouvelle vision en Christ parce qu'il y a une ancienne vision.
Nous avons deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Et pourquoi accéder à la nouvelle vision en Christ? Le but, c'est en vue de nous assurer l'accès à tout pleinement. Colossiens chapitre 2, verset 10. Notez d'abord les textes. Colossiens chapitre 2, verset 10. 2 Corinthiens 5, de 16 à 17. Nous pouvons nous arrêter là, le reste on va voir dans le cours du message. Colossiens 2, 10, la Bible dit: vous avez tout. Bozui nyonso pleinement. Yakotondisama. C'est très important. Ezamotuya. Ça veut dire Eligoloba. Sur chaque chose qui compose le tout. Alléluia. Na eloko nyonso ezosala nyonso wana parce que tout moins un n'est plus tout. Ce qui n'a nion so balongoli ata moko eza susu nion sote. Et nous avons tout. Pebiso tozu nion so. Qui est un ensemble de chaque chose. Nakati na yango biloko ebele toni nakati. Et sur chaque chose. Pe moko na moko ne loko. Nous avons une plénitude dans cette chose. Ok. Tozu li toni na eloko yango moko eza nakati. Ça veut dire il y a un tout. Et le bignon somo kwezali composé de plusieurs choses et salami na biloko ebele. Et sur chaque chose là sikolikole loko moko wana, il y a une plénitude qui ne va pas nous échapper. OK, litondi moko esengeli peto zo yango. C'est pour ça qu'il dit yango lobi, vous avez tout besoin nion so pleinement. Il y a litondi. En fait, si je parle de chaque chose anolobele loko moko na moko, c'est parce que le tout est composé de chacune des choses. Et chaque chose a une plénitude. C'est pour ça qu'il parle de tout pleinement. Good. Vous avez tout en lui. Maintenant, on le présente. Qui est le chef de toute domination. Ça veut dire de chaque domination prise individuellement. Et la coalition des dominations ne va pas peser sur lui qui okay. est le chef. Ça veut dire dans le tout où il y a des dominations. Chaque domination prise individuellement ne peut pas résister devant lui. Et la coalition de la totalité des dominations pèse moins que lui. Et on y ajoute aussi de toute autorité. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, de 16 à 17. Un texte que nous aimons, n'est-ce pas? J'aimerais bien que nous puissions le pénétrer dans un angle de vision tout à fait particulier. La Bible dit, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ, selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Vous voyez les deux
type de connaissance sur la personne de Christ. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut accéder à la nouvelle vision. Parce qu'un des problèmes qui nous empêche d'accéder à toute chose, c'est parce que nous avons dans un Christ qui est esprit et vie, mais malheureusement, une vision selon la chair, non selon l'esprit. Et la Bible continue maintenant au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et les qui voici toutes choses sont devenues nouvelles. La grande question à se poser ici, on aurait pu dire voici les nouvelles choses sont venues, mais on n'a pas dit cela. Bongo. On a dit, Balobi, voici, tala, toutes choses biloko nyonso sont devenues et commis nouvelles. Yasika. Amen. Amen. Donc, ezalaya kala mais commis yasika. Autrefois, c'était ancienne, mais cette fois, c'est nouvelle. Qu'est-ce qui fait que ces choses sont devenues nouvelles? Biloko wane koma yasika. C'est parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et nous ne voyons pas ces anciennes choses à l'ancienne manière. Mais c'est notre vision qui a changé et qui nous permet de regarder à ces choses-là nouvellement, et elles deviennent nouvelles dans notre vision. Et comme yasika ne mon nabiso, quoique en elles-mêmes là, elles sont restées ce qu'elles étaient. Et tika là où est alaka, ok. Vous me comprenez? Je voudrais m'expliquer. Na limbola. À quoi sert le voyage? C'est à deux choses. Principalement. Avoir de nouvelles choses, voir de nouvelles choses, mais aussi avoir nouvellement les anciennes choses. Voilà, ça veut dire, si tu n'as jamais été à New York, et tu es resté à Kinshasa pendant longtemps, le jour où tu vas à New York, tu vas voir des nouvelles choses. Maintenant, ces nouvelles choses-là vont impacter ta manière de voir. Le jour où tu reviens à Kinshasa, les nouvelles choses que tu as vues à New York vont te permettre de voir nouvellement Kinshasa. Nous commençons à nous comprendre. C'est pour ça que l'économie de ce texte, ce n'est pas simplement dans l'angle de la délivrance instantanée. Souvent, nous avons tendance à lier 2 Corinthiens 5, 17, rien qu'au fait que tous les liens de notre vie sont passés. Toutes les affaires sataniques de sorcellerie et tout ça sont passées. Parce que nous sommes des nouvelles créatures. Attention déjà là. Ok. Tout ne passe pas instantanément pour tous. Quelles sont les choses qui passent? Quelles sont les choses à faire passer?
Et qui va les faire passer? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Ça, ce n'est pas accès. Ça fera l'objet d'autre chose. Maintenant, rentrons dans accès. Amen. Amen. Donc, l'angle que nous allons exploiter dans ce texte, c'est justement quand vous le liez, quand vous liez les deux versets 16 et 17. C'est l'angle de la connaissance des choses. Et la personne qu'on présente comme clé de connaissance, c'est la personne de Christ. Ezali Christo, qui peut être connu selon la chair et tout ce qui est lié à la chair est faible et limité. Parce que la Bible dit la chair est faible. Et Christ peut également être connu selon l'esprit. Et c'est cette connaissance de Christ selon l'esprit qui va impacter notre vision des choses en tant que des nouvelles créatures. Et cette vision des choses va faire passer l'ancienne manière de voir Christ et l'ancienne manière de nous voir nous-mêmes, tout comme l'ancienne manière de tout voir. Ok. Amen. Amen. Je prends un exemple pratique. La vision qu'Adam a de Ève avant la chute et la vision qu'il a après la chute. Parce que avant la chute, la position n'est pas égale à après la chute. Ok. Avant la chute, Adam est dans une position élevée dans la présence de Dieu et il regarde à Ève selon les opérations de Dieu qui présente Ève comme l'os des os et la chair de sa chair et il l'appelle femme. Et quand il chute, il perd en position. Il perd en niveau. Il commence à regarder à Ève, la même là, la Ève là. Il commence à la regarder avec une vision de chute. Et quand Dieu lui pose la question sur lui, il répond à partir de Ève. As-tu mangé? Il ne se présente pas lui. Il présente mal la femme qu'il avait autrefois bien présentée. Ok. Moi, si on libosole, bah comme Mikou, on a Mikou. Parce que sa vision des choses a changé. Et bonwani. Il commence à dire à Dieu. C'est la femme. Moi, si yo, que tu as mise à mes côtés qui m'a donné le fruit. Alors que la question était claire. As-tu mangé? Yonde olé. Je n'ai pas demandé na tunite, qu'est-ce qui a fait que tu aies mangé. Et l'on ne m'a mis au lit. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Et yko l'obanine. L'accès aux choses. Ko yinge la nabiloko passe par l'accès à la connaissance. Et cet accès à la connaissance là, c'est ça qui vous donne la lumière sur les choses. Et la Bible nous dit que nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça veut dire s'il n'y a pas de lumière dans ton esprit, c'est vrai que tu es saint, mais tu n'auras pas part
à l'héritage, parce qu'on va le voir dans la suite, il te faut de la lumière sur une chose pour que Dieu te la remette en main. Amen. Amen. Et dans les proverbes, il est écrit que l'enseignement est une lumière. Malaki sezali pole. Les préceptes sont une lampe. Malako ezali mwinda. Et l'enseignement est une lumière. Malaki sezali pole. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Boko benda boke bina kozongisa na nzela nze nzela ya bomo. Ça veut dire pour que nous puissions avoir part Tosimba eteni à l'héritage des saints, na libula basantu, il nous faut de la lumière sur la chose qui appartient au saint. Il nous faut être enseignés de la manière de Christ sur cette chose-là pour que Christ nous donne accès à la chose. Good. Je peux pousser? C'est accès, c'est pas moi qui ai commencé ce thème. Témoigne du pasteur Trésor. Il y a trois types d'hommes sur la terre. Trois. Les hommes qu'on appelle hommes animal. Et puis celui qu'on appelle homme charnel, là nous sommes déjà en Christ. Et puis il y a encore en Christ ce qu'on appelle homme spirituel. Amen. Amen. Sur ces trois personnes, placées face à la réalité du manque, nous n'avons pas trois réactions, mais deux. C'est-à-dire, lorsque nous considérons l'homme animal, ça veut dire le non croyant en Christ, le non pratiquant, ou le non-disciple de Christ, le non-enfant de Dieu, mais qui est créé par Dieu, il a la même réaction que celui qui est en Christ mais encore enfant, qu'on appelle charnel. Ils sont attachés à la terre, ils sont attachés à ce qui est charnel, ils sont attachés à ce qui est visible. Maintenant, face au manque, ces deux types de personnes-là, surtout quand le manque perdure, que ce soit le manque en santé, le manque en information ou le manque en avoir, ces gens-là ont une seule exigence. Le résultat. Donnez-moi un résultat. S'il est malade, peu importe ce que vous pouvez lui dire, si ça lui garantit un résultat, il va mordre. Vous m'entendez? Ça veut dire quoi? La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire la possession de la totalité est au futur, le manque est au présent. La Bible ne dit pas l'Éternel est mon berger, je ne manque. Non, non, l'Éternel est mon berger au présent, mais c'est au futur que je ne manquerai de rien. Nous nous entendons. Ça veut dire, sous la bergerie de l'Éternel, vous pouvez être dans un présent manquant, mais l'Éternel vous destine à un futur de possession de tout. Maintenant, entre l'Éternel et mon berger, et oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, c'est ce processus-là
dans lequel, si quelqu'un est charnel, enfant en Christ, il a un sérieux problème d'être patient, d'accepter de marcher dans les sentiers de la justice, d'aller vers les verts pâturages, d'aller dans les eaux paisibles, et surtout quand la vallée de l'ombre de la mort arrive, lui va craindre le mal et peut se compromettre. Il va exiger un résultat rapidement. C'est ça qui fait que dans la vallée de l'ombre de la mort sur le mariage, quand ça traîne, il ne va pas aller à table. Elle ne va pas aller à table. Elle va aller en brousse. Qui se présente au canon, je tire. Donc, le fait que j'ai traîné, ça traîne trop. Et Oumeli, je prends de l'âge. Azokola, papa, n'est-ce pas? Amen. C'est la même réaction que les gens du monde. Le drame avec cette impatience enfantine, là, c'est le fait qu'elle vous expose à vous détruire avec ce que vous allez vous offrir. Ok. Le problème n'est pas d'avoir l'homme spirituel a une exigence de la source de la chose et de la méthode d'accéder à cette chose. C'est-à-dire avoir une chose pour un homme spirituel, ce qui l'intéresse, la chose vient de qui et elle passe par quoi ou par qui pour que je puisse l'avoir de manière sécurisée. Le problème n'est pas que j'aille. Le problème c'est que j'aille à partir de Christ, par les méthodes de Christ, au temps fixé par Christ, et c'est là que j'ai une possession ou un accès sécurisé. Amen. Tu es au bien, hein? Bah, on a bisoye. Ok. Les exigences du résultat. Masengi ya komona kaka ya noé. En ignorant la source. Nakobo ya koyebe uti wapi. Et les moyens d'accès. Penzela e komeleliyo. Peuvent vous faire appeler un devin prophète. Ogo koben ambikudi mosakoli. Vous me comprenez? Mbosos. La carence d'informations sur ce qui se passe dans vos vies, si elle perdure et que vous êtes encore charnel, vous avez un comportement d'enfant, la femme qui a un esprit de python, vous pouvez la prendre comme une prophétesse. Okay. Parce qu'une vérité vérifiable peut avoir deux sources. Ok. Dieu qui est la vérité et Satan qui est mensonge, il est capable de révéler une vérité sur des faits vérifiables. Acte chapitre 16. Une femme vient suivre Paul et sa et ses disciples et les gens avec qui il marchait. La Bible dit très bien, elle se mit à les suivre devant eux en disant, ces hommes sont des serviteurs du Dieu vivant et ils vous annoncent la voie du salut. Vrai ou faux? Vrai. 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 Quand quelqu'un vous suit, en principe il se met où? Derrière. Mais elle se met où?
devant. C'est déjà une manière bizarre. De ça veut dire elle cherche le leadership. Et ça, ça s'est passé pas une seule fois. La Bible dit pendant plusieurs jours. Ça veut dire le grand Paul là, apôtre de Christ, selon la volonté de Dieu, a été présenté pendant longtemps par l'esprit d'un python. Quand Paul allait au ministère, un esprit de python passait devant et présentait Paul. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu vivants et ils vous annoncent la voie de la vérité. Lorsque vous connaissez Paul et vous entendez cette femme parler, est-ce que vous allez faire la différence entre l'esprit de Paul et l'esprit de cette femme? Non. Surtout que Paul accepte qu'on le présente. Ça veut dire qu'il arrive parfois même dans l'église qu'on nous présente par des pitons et que nous présentions des pitons sans les avoir. Mais le drame, c'est lequel? La plupart des gens, à la recherche de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie, prennent des informations sans discerner la source et sans discerner les méthodes qu'il y a là. C'est que mon arrangement peut bâcoter on a pas mon aka. Zamba alakisaka na ya lelo na ya lobby mais na ya oh libella ya lobby okuna. Le passé, le présent ainsi que le futur. Amen. Amen. Ça veut dire que lorsque vous êtes en face d'une personne, apprenez à calculer son flux prophétique. Si la personne se spécialise rien que sur hier et aujourd'hui, avec force de taille sur hier et sur aujourd'hui, mais quand vous arrivez à demain, ça devient un grossiste, commencez à vous méfier. Ça veut dire vous arrivez devant une personne capable de vous dire hier vous aviez fait ça dans votre vie passée. D'ailleurs, pendant que je parle ici, dans votre compte en banque, il y a ceci. Maintenant, quand vous arrivez à demain, vous entendez seulement Dieu te visitera. Ça commence à être compliqué. Nous avons besoin d'un Dieu qui te détaille ton passé, que tu connais. Parce qu'il faut déjà qu'on se le dise. Avant que je retourne assez rapidement. Il faut qu'on se le dise. Il y a certaines choses qui ne sont pas des prophéties pour ceux à qui on prophétise. C'est des prophéties pour celui qui se dit prophète. Ok. Je connais mon âge, non? Si toi tu ne connais pas et que tu m'annonces mon âge, c'est prophétique pour qui? Pour toi ou pour moi? Ça veut dire, à ce niveau-là, c'est toi qui as besoin de ça. Moi, je connais déjà ça. Moi, j'ai besoin de Jérémie 33:3. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. Mon âge n'est pas caché à moi. Et des choses que tu ne connais, ça veut dire, si tu ne m'annonces que les choses que je connais, que les choses auxquelles j'ai accès, tu es encore au même niveau que les devins. Je ne dis pas que tu es devin. Tu es encore au même niveau. Parce que Dieu a ce niveau-là à donner.
Et puis il va aller au présent. Et puis il va aller dans des détails au futur. Qui font que là-bas, il n'y a que lui qui peut Alléluia. Annoncer avec exactitude les choses du futur. Parce que la vérité, c'est quoi? Dieu vient de l'éternité. Et il passe par le futur. Et il entre dans le présent. Ça veut dire ton futur là. Dieu qui vient de l'éternité, il est déjà passé là-dedans. Et quand il viendra te parler, il ne va pas t'annoncer des choses à venir pour lui. Non, non. C'est de l'avenir pour toi. Lui est déjà passé par là. C'est pour ça que la Bible dit, nous marchons dans les sentiers de l'éternel, les sentiers de la justice. Un sentier, c'est un chemin tracé par le passage de tous les jours. Tu es déjà passé dans ton futur. La Bible dit, tu couronnes l'année de tes biens. Toi, quand tu entres le 1er janvier 2024, sache que si tu es avec Dieu au 1er janvier 2024, toi, tu viens du 31 décembre 2023, Dieu vient, lui, du 31 décembre 2024, il est déjà rentré et il a déjà couronné l'année. C'est l'avenir pour toi. Mais pour lui, c'est des choses déjà passées. Amen. Ça veut dire, sur le plan d'accéder aux choses, éviter d'être charnel ou bien animal. L'animal Nyama ne s'occupe pas de l'origine de la viande, qu'elle soit volée ou pas. Et les enfants, Bana, le problème avec eux, c'est que vous pouvez leur laisser ce qui est à eux à manger à midi, ils vont le manger à 7h. Et à midi, ils auront faim parce qu'ils ont déjà mangé midi à 7h. Pourquoi précipitation? C'est pour ça que la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Il est mis sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. Maintenant, regardez qu'il y a accès à toutes choses. Nous avons tout pleinement en lui. Mais ce n'est pas tout d'avoir ici et maintenant. Nous avons tout, mais au temps fixé par lui et à des conditions à remplir par lui. Amen. Amen. Nous commençons à nous comprendre à ce niveau-là. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Ça devrait se réciter de mémoire. Il est écrit les versets ne sont pas inspirés. Il est écrit quelque part. Éphésiens 1, 3. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Na Christ. Chaque mot est à sa place et chaque mot a son sens. Ce n'est pas vous serez bénis.
vous êtes déjà bosi bopambwama béni bopambwama. Maintenant attention, Keba, vous êtes béni de quoi na nini et où pewapi de toute na sorte le lengenyoso de bénédiction ya mapamboli. De quelle nature? Ya nenini? Spirituel. Ya molimo. Où? Wapi? Dans les lieux célestes. Na bisika likolo. En Christ. Kati na Christo. Ça veut dire les lieux célestes. Bisika likolo. En Christ. Kati na Christo. Sont un domaine spirituel. Eza makamba molimo. De la bénédiction dans sa nature. Ya pamboli. Spirituel. Na bosai nango ya molimo. Et ça. Wana. C'est un acquis. Eza lo ese zwami. Pour nous tous qui sommes nés de. Nouveau. Esprit en présence de Dieu. Dans les lieux célestes en Christ. Mais attention, âme et corps dans les lieux terrestres. Ah. Mais aussi en Christ. C'est ici la nuance à saisir. Être béni dans les lieux célestes. Des bénédictions spirituelles. Ce n'est pas de ton fait à toi. C'est pas toi qui fais ça. C'est Dieu qui l'a déjà fait. Au travers l'œuvre réussie. De Christ crucifié. Ressuscité. Et installé dans les lieux célestes. Ok. Good. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. Avec Christ. Ce n'est pas toi qui fais quelque chose. C'est Dieu qui a fait ça par grâce. Amen. Amen. Maintenant, quant à toi, pour que tu vives la conversion de la bénédiction spirituelle dans les lieux terrestres en Christ. Ce n'est plus Dieu, ça devient toi maintenant. Tu as des choses à faire. Si tu ne le fais pas, tu as un chèque avec de l'argent, mais tu n'as pas de billets. Tu ne vas quand même pas acheter les dollars avec un chèque. Ok, na lukasa obimisa mbongo pe si ba peso dollars. Omoni ba no ba teka ka dollars wana. Azo le ka wana za bénédiction terrestre. Terrestre. Yo si ko chèque za bénédiction spirituelle céleste. Omoni mwana ya dollars wana. Oye bisi yo mwana ya dollars. Na ko somba ba dollars nyonso za nango. O chamo. Alobi papa. Zwa yango comme ça ngapi na matisa capital. Bon. Si on peut se faire chèque. Comme la banque a été écoutée. Moi, je suis adolé, je ne suis pas posé. Je suis un kindoké. Mais la vérité, c'est laquelle? Tu as de l'argent sur le chèque. Mais cet argent n'est pas encore converti en numéraire. Si tu ne vas pas à la banque pour retirer, convertir cet argent-là, tu n'auras pas accès au dolé alors que tu as de l'argent. Et c'est ça le problème que nous avons avec plusieurs personnes en Christ. Sont déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Mais comment accéder à cette bénédiction là dans sa forme terrestre à partir de Christ? C'est pour ça que je vous ai dit que le problème, ce n'est pas avoir, c'est le moyen d'avoir. Nous ne sommes pas dans le débat de tu as combien, j'ai combien. Comment tu as eu, comment j'ai eu. Qui t'a donné et comment tu as pris. On est ensemble. Jésus dit ceci. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Il ajoute, Abakisi, je ne vous donne pas comme le monde le lenge mokili donne.
Ça veut dire j'ai ma manière de donner qui n'est pas celle du monde, qui exige à vous une manière de prendre qui n'est pas celle du monde. Qu'est-ce qui fait que la paix est déjà donnée, mais beaucoup de croyants sont encore troublés? C'est parce qu'ils ne savent pas prendre la paix qui est déjà donnée. Je vous donne un exemple. L'apôtre Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin d'eux. Vous. Il ne prend pas soin de vos soucis. Il prend soin de qui? De vous. Mais quand est-ce que il commence à prendre soin? C'est quand tu vas finir le déchargement en souci. Ça veut dire aussi longtemps que le déchargement en souci n'est pas terminé, ses soins ne commencent pas. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous voulons prendre Dieu et lui donner le ministère de s'occuper des soucis. Non. Dieu ne s'occupe pas des soucis. Dieu s'occupe de nous, nous déchargeons sur lui. Nous commençons à comprendre. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Dieu ne se soucie pas de tes soucis. Il se soucie de toi parce que tu es très soucieux. Si tu peux te décharger sur lui de ses soucis, c'est alors qu'il peut prendre soin d'eux. Ça veut dire quoi? Tu as en main un beignet de soucis. Et Dieu a des arachides des soins pour qu'il mette dans tes mains les arachides des soins. Tu dois lui, toi tu dois lui donner d'abord les beignets des soucis. Toi tu gardes les soucis et tu demandes qu'il donne les arachides des soins. Non, ça va tomber. Toi donne d'abord ce beignet là ici, vide ta main de soucis. Si cœur des soucis, c'est alors que moi je veux maintenant te donner les soins. Vous avez déjà l'accès à la paix par les méthodes de Dieu. Ça veut dire il n'y aura pas fin de trouble pour que tu sois en paix. Si tu comptes sur Christ là-bas, il faut faire attention. Tu dois être en paix pendant les troubles pour que ta paix mette fin au trouble. Si tu continues à être troublé par les troubles vont continuer à te troubler. Mais si tu es en paix en plein trouble, ta paix va troubler les troubles et mettra fin à ça. C'est pour ça que celui qui a réussi à calmer la tempête dans la barque, c'est celui qui n'était pas troublé. C'est celui qui dormait dans la barque. Ceux qui étaient troublés avaient les mêmes moyens, mais pas la même attitude. C'est pour ça que quand il s'est réveillé, il a parlé et il leur a dit: où est votre foi? Ça veut dire, vous auriez pu parler, mais le trouble vous a enlever la connaissance selon laquelle la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je n'ai pas fait ça parce que je suis Jésus. J'ai fait ça parce que je crois en la parole. Quand elle est déclarée, la Bible dit elle est esprit et vie. Il accomplit les paroles de ses serviteurs. Alléluia. Comment yo kana? Qui toque? Ah, dans ce pays, papa, tu as dit combien de minutes? 10, hein?
To continue nazana no. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? To kusi. Maintenant c'est quoi yokanga bien. Je vais te présenter la combinaison idéale. Le lengue sangisé le sengemi pour accéder à tout. Po ingela na manso. Dans les quelques minutes qui nous restent. Na mwa mito to tsikena ngwa. Nous allons relier to sangisé longo trois versets dans Éphésiens. Ma komimi sa to na Éphèse. Je vous ai donné, n'est-ce pas, le premier dans Éphésiens 1, Éphésiens 3. C'est quand il quitte mon cœur. Descendons un peu en bas. Quand on a Éphésiens 1, wana, toujours dans le même chapitre. Quitte mon cœur, caca. Tu as vu toutes sortes de bénédictions. N'est-ce pas? Oui. Au verset 3. Maintenant, on va au verset 8. 7, à partir de 7, et puis nous allons arriver jusqu'à 10. On est à deuxième passage. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Éphésiens 1, 7, 10. En lui, de 7 à 10, hein, nous avons la rédemption par son sang. Que Dieu... Commençons plutôt. En lui, nous avons la rédemption par ce sang, la rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. Arrêtons-nous d'abord. Selon la richesse de sa grâce. Sa grâce. Au moins, grâce ou non. Oh, ça, grâce, il y a rédemption. C'est la grâce de la rédemption. C'est la grâce par laquelle nous sommes rachetés, n'est-ce pas? Yango somba mi. Amen. Amen. Maintenant, dans cette grâce-là de la rédemption, nous avons la destinée à deux niveaux. La perspective éternelle, mais aussi la perspective actuelle, terrestre. Ça veut dire Christ ne nous sauve pas et nous amène à l'instant au ciel, au paradis, comme le bandit de la croix. Non. Toi et moi, nous sommes sauvés et nous restons sur la terre. Sur les deux perspectives. Éternité et temps présent. On est ensemble. Maintenant, la grâce a déjà agi sur le plan éternel. Elle a donné la rédemption. Maintenant, elle doit s'occuper de nous sur le plan terrestre pour que la bénédiction spirituelle du troisième verset commence à descendre des cieux et entre au-dedans de nous et qu'elle entre dans notre quotidien terrestre. Maintenant, cette grâce-là qu'il a répandue sur nous, regardez bien, on nous a dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il faut que ce spirituel-là se convertisse en matériel. Maintenant, le domaine de la conversion ou bien l'application de la conversion. Okay. Lisez. Tanga. Il a que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse. Toute espèce. Regardez, il y a toutes sortes de bénédictions. Maintenant, nous avons également ici toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ça veut dire papa nanga, maman nanga, frère nanga, ndeko nanga, moi si amobali. Bien-aimé dans le Seigneur. Soki o zangi mayele na makambo ya Christ. Si tu n'as pas d'intelligence dans les choses de Christ, mawa. Okotika la kaka na cheque ko somba dolete. Amen. Amen. Quand la grâce qui t'a sauvé. Tango ngolu ebikisi yo. Va commencer à travailler sur ta destinée terrestre. Elle va répandre sur toi toute espèce de
sagesse. Ça, c'est un capital. À toi de faire fonctionner cette sagesse-là en cherchant Dieu, en méditant sa parole, en pratiquant sa parole. C'est alors que toutes sortes de bénédictions spirituelles va commencer à prendre la conversion en réalité matérielle. La femme sage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bâtit. C'est Dieu qui bâtit. C'est la femme sage. Écoutez-moi bien. Il y a certaines situations dans lesquelles Dieu présente son identité, mais compte sur notre intervention. Ok. Nzamba lobi oya zali, mazo se la bisoto sale loko. Nako fongola mwa mouke. Parce que c'est une porte d'accès très importante. Eze kouke mwa goyinge la motu ya. Ça veut dire, quand Dieu dit je, dans le jeu de Dieu, il y a des moments où il n'y a que lui qui fait partie de jeu. Mais il y a des instants où quand Dieu dit je, il y a lui et toi qui sont dans le jeu. Ok? Good. J'explique. Je connais les douleurs de mon peuple. Je connais ses souffrances. J'ai entendu les cris que lui font pousser l'oppresseur. Et je suis descendu pour le délivrer. Je suis déjà descendu. Mais Moïse va. On se comprend bien. Moïse pose la question. Moi, qui suis-je Nanani pour aller Pona kende devant Pharaon? Ça veut dire quoi? Dieu, j'ai comme l'impression que tu ignores la situation de mon casier judiciaire. Chez Pharaon, je suis meurtrier. J'ai tué un Égyptien. Maintenant, est-ce que il y a une autre identité que tu me reconnais pour que tu m'envoies moi? Et puis disons-nous la vérité. Distance entre ciel et terre, c'est combien? Et distance entre Sinaï et chez Pharaon, c'est combien? Tu es parvenu à faire terre et ciel et terre. C'est la plus grande distance. Tu arrives sur la montagne. Il te reste une courte distance de la montagne de Sinaï à chez Pharaon. Et tu me dis à moi d'aller. Mais quand tu parles de la délivrance, tu dis je suis descendu pour le délivrer. Good. Good. Écoutez la réponse de Dieu à la question de Moïse. Qui suis-je? Dieu lui dit, je serai avec toi. Ça veut dire, tu fais partie de mon jeu. Quand je dis je, ici je ne pense pas qu'à moi. Tu fais partie de ce jeu là. C'est la même chose que quand il dit à Josué, c'est toi qui mettra en possession ce peuple du pays que j'ai juré. Quand Dieu jurait, Josué était là. Mais quand Dieu jurait, il voyait Josué comme celui qui devait livrer. Dans le serment de Dieu là, il y avait un Josué prophétique qui avait les documents de livraison. Et le grand problème que nous avons, plusieurs personnes sont bénies, mais ils attendent que Dieu vive à leur place pour vivre béni. N'agoyo kita to continue au courant de la semaine. On est ensemble. Sikoyo to kite la gaga na Ephésiens chapitre 6
Et je cède le micro au pasteur Trésor. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. De toutes les armes. Regardez, le tout revient. N'est-ce pas? Toutes les armes de Dieu. Qui doit se revêtir? C'est toi et moi. Ok? Good. Mais les armes sont à qui? Amen. Amen. Et puis, au verset 18, qu'est-ce qu'on dit? Faites en tout. Maintenant, regardez la combinaison. Toutes sortes de bénédictions. Spirituelles dans les lieux célestes. Toute espèce de grâce et toute grâce répandue par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Toute arme de Dieu et toutes sortes de prières en tout temps. Que Dieu vous bénisse. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Wow, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alors on va réagir par rapport à cette parole. Toute espèce de sagesse et d'intelligence, toutes les armes de Dieu, toutes sortes de prières. Est-ce que tu peux réagir par rapport à cette combinaison hautement spirituelle et stratégique? Ce sont des clés que Dieu te donne pour accéder au trésor du ciel. Ce sont les clés que Dieu nous donne afin d'accéder aux bénédictions de Dieu. Est-ce que tu peux convertir ton chèque ce matin? Est-ce que tu peux convertir ton chèque ce matin? Que quelqu'un lève la voix et qui demande toute sagesse. La clé qu'il te faut, c'est l'intelligence. L'intelligence, la sagesse, toutes sortes de prières. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Merci Seigneur. Quelle bonne parole. Quelle clé tu nous communiques ce matin. Yahweh, nous le recevons avec foi, avec joie. Merci de nous aider à pouvoir appliquer ces principes afin de vivre l'accès à toutes choses. Merci surtout de changer notre vision de choses. Aide quelqu'un à grandir. Aide quelqu'un à grandir. À devenir spirituel. Afin de saisir ces choses que tu nous as communiquées par ta grâce. Je prie que cette semaine soit une semaine où tu auras accès à toute bénédiction à cause de toute espèce de sagesse, intelligence que Dieu te communique. Revêt-toi de toutes ces armes et en tout temps n'oublie pas de faire toutes sortes de prières. Que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus et la communion de l'Esprit demeure à jamais ta portion. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse et très bonne journée. Saluez votre voisin. Bon dimanche. Que Dieu soit béni.